Aujourd'hui, coup de projecteur sur la RGPD. Ok, vous allez me dire que vous avez déjà tout lu et tout entendu sur la RGPD. Mais je suis sûr que vous allez apprendre quelque chose dans les trois exemples qui vont suivre. Et restez bien jusqu'au bout, je partagerai avec vous une vidéo tout à fait intéressante de Google sur le sujet. Point numéro 1. L'article 20 sur la portabilité des données de la RGPD est fondamental, car cela donnerait la possibilité à vos concurrents de récupérer des données venant de vos systèmes par l'entremise du consommateur. Point numéro 2. La traçabilité est tout aussi importante. Vous devez être capable, dans plusieurs mois ou plusieurs années, de prouver que le formulaire d'embasement que vous avez utilisé est conforme à la RGPD. Alors, petit conseil, pensez à vous adjoindre les services d'un huissier. Point numéro 3. La mise en application de la RGPD est dans quelques semaines. Il vous reste maintenant très peu de temps pour envoyer un dernier email à vos consommateurs pour les convaincre de vous rejoindre. Voyons maintenant cet exemple de Google. L'email de Google va à l'essentiel. C'est un email de la dernière chance pour vous réabonner à ses services avant le 25 mai. L'email de Cegid est une autre très bonne idée. D'un seul clic, on va pouvoir gérer les préférences de relations avec la marque via un centre de gestion des emails. Alors, cette vidéo, elle vous a plu ? N'hésitez pas à lâcher un pouce, à mettre un commentaire ou encore mieux, à suivre la chaîne. À bientôt !